On est jeudi et je vous retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Une semaine qui est déjà passée très très vite puisque donc j'ai clôturé le vlog précédent lundi 26 décembre. On est jeudi 29 décembre avec Angus qui n'a pas du tout perdu ses habitudes et qui continue à passer devant la caméra. Donc forcément je commence ce vlog un jeudi, un vlog qui va être un peu particulier puisque donc je suis encore chez mes parents. Demain on part à Bordeaux pour le 30 et le 31, donc finalement je ne vais pas être à la maison, je ne vais pas pouvoir vous prendre face cam je pense, je vous ferai quelques petits plans de ce qu'on va faire. On va passer donc le 31 chez des amis à Bordeaux et avant ça on va en profiter également pour y aller le 30. On rentre à Paris dimanche, je pense que ça va être une journée assez chargée. À mon avis, on va voir du monde sur la route, etc. Donc je pense que ce vlog ne sortira pas dimanche, il sortira lundi, à mon avis, ou peut-être mardi, selon l'état de fatigue. Bref, toujours est-il que donc on se retrouve pour une nouvelle semaine. Moi, je reprends le boulot mercredi prochain, donc je vais avoir un petit peu de temps quand même pour moi, pour monter ce vlog, pour me reposer aussi avant la reprise. Et surtout, donc, je voulais vous prendre pour vous faire un méga book haul. Vous avez déjà un peu de suspense. Donc on va commencer avec, hop, je pose celle-là, avec ma lecture en cours. Donc j'ai commencé Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Donc c'est la nouvelle édition publiée par Hachette. C'est un hardback, il est vraiment trop beau. Et donc j'avais envie d'une lecture facile, une lecture pas un peu doudou, mais j'avais envie de retrouver un Agatha. Et donc forcément c'était l'occasion avec celui-ci. Donc j'ai pas énormément avancé, c'est un classique, je vais vous lire la quatrième de couvre quand même, mais je pense que pour beaucoup vous le connaissez. C'est par le plus grand des hasards qu'Hercule Poirot se trouve à bord de l'Orient Express, ce train de luxe qui traverse l'Europe. Alors qu'il est bloqué par la neige au cœur de la Yougoslavie, on découvre dans l'une des voitures le corps d'un Américain sauvagement assassiné à coups de couteau. Le meurtrier se cache forcément parmi les voyageurs, mais qui de la princesse russe, de l'Américaine fantasque, de ce couple de Hongrois distingués, de ce colonel de retour des Indes ou même du propre secrétaire de la victime a bien pu commettre pareil crime? L'enquête commence, elle sera l'une des plus difficiles et des plus délicates pour notre célèbre détective belge. Donc pour l'instant, j'ai vraiment pas lu beaucoup. Vous avez mon marque-page d'ailleurs qui tout est filoché, que j'ai retrouvé au fond d'un tiroir. J'ai lu 33 pages, il en fait 300, un peu plus de 300, 313. Donc voilà, c'est clairement le début, mais pour l'instant, j'aime beaucoup. J'avais déjà vu le film et surtout, je l'ai lu, mais il y a vraiment quelques années. Donc je vous avoue que je me souviens pas du tout du dénouement. Donc c'est l'occasion, j'avais envie de le lire. Et puis franchement, dans cette édition, c'est un régal. Donc voilà. Et donc, pour vous parler un peu de mes cadeaux de Noël, alors, j'ai eu un cadeau livresque, on va dire, enfin deux cadeaux livresques, j'en ai un qui est avec moi, qui est un livre, le reste, c'est des cadeaux de moi à moi, voilà, mais ça compte aussi dans le book haul cadeau de Noël. Donc, le premier, c'est un roman que mon chéri m'a offert, je ne vous le présente plus, c'est le 8e tome de la saga des détectives du Yorkshire, qui, vous le savez, est une de mes sagas, et ma saga chouchou de Cozy Mystery. Donc je ne vous parle pas de ce 8e tome, d'autant plus que je n'ai pas lu le 7, donc j'ai pas envie de me spoiler en regardant la 4e de couve, mais voilà, encore un tome de plus dans ma palle. Il est sorti en novembre, j'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir le rajouter à ma collection, donc je vais lire le 7 sous peu je pense, et bien sûr je vous parlerai de celui-ci au moment où je vais le lire, mais j'avoue que j'aime tellement cette saga que j'ai toujours envie d'en avoir un, on va dire, de secours en rab. J'ai pas envie d'être vraiment à jour sur cette saga parce que je sais que c'est ma lecture doudou par excellence, donc voilà, j'attendais d'avoir le 8 pour pouvoir lire le 7, c'est chose faite, et du coup je vous en parlerai. Donc ça c'est le premier, et ensuite plusieurs cadeaux de moi à moi. Donc le premier, là aussi c'est une suite puisque c'est le tome 4 des des T meurtriers d'Oxford de de Anna, on va dire ça comme ça, traduit donc par Diane Garraud aux éditions City. Et j'en ai profité en fait à l'espace culturel chez mes parents, il y avait cette édition là, parce que c'est vrai que j'ai plus souvent vu les éditions, l'auto-édition traduite par Diane Garraud que cette édition City, donc j'avais pas envie de passer à côté. Sur Vinted notamment, j'avais vu que des auto-édités, et en fait moi je les ai dans la collection City, donc avec ce dos et marqué City ici, donc
J'avais envie d'avoir ma collection plus ou moins complète, donc je n'ai pas encore lu là non plus la quatrième de couve parce que je dois encore lire le 3, je n'ai lu que le premier et le 2, mais voilà, contente d'avoir une collection à jour là aussi. Et enfin, je vais vous parler des trois autres, là je vais pouvoir vous parler des quatrièmes de couve puisque donc il s'agit de trois romans. Alors le premier c'est un brochet que je me suis donc auto-acheté parce que j'avais le premier de l'autrice en brochet aussi et donc je voulais pas attendre qu'il sorte en poche. C'est Les filles qui mentent de Eva Björg Eggisdottir, donc qui est une romancière islandaise. Elle a écrit Elma, qui est sortie en poche, que j'ai adoré. Je vous invite à le lire si vous cherchez un thriller islandais vraiment glaçant. Enfin, j'avais beaucoup aimé cette histoire, beaucoup aimé également le personnage que l'on retrouve, qui s'appelle je ne sais plus, qui s'appelle je n'ai plus son nom de famille. Bref, elle s'appelle Elma, ça c'est une certitude, mais je n'ai plus son nom de famille. Bref, donc je crois que c'est la suite de Elma, justement. Et il est sorti en début d'année ou en fin d'année dernière, je crois, aux éditions La Martinière. Il est sorti en 2020... pas du tout. Si, il est sorti en 2022. Je crois qu'il est sorti en début d'année cette année. Donc, je n'ai pas envie de prendre le risque qu'il sorte bientôt en poche et de ne plus trouver le brochet. Donc, je me suis acheté le brochet et je vous lis la quatrième de couve. Elma, ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik, pensait mener une vie paisible à Akran, un petit village au nord de la capitale. Mais en Islande, la beauté des paysages masque souvent une réalité bien plus sombre. Quand le corps d'une femme est retrouvé dans un champ de lave, Elma et son équipe se retrouvent chargées de l'enquête. Cela fait 7 mois que cette mère célibataire a disparu, ne laissant qu'un simple mot d'excuse sur la table de la cuisine. Entre cruauté adolescente, préjugés de petite ville et mensonges d'enfants qui portent les péchés de leurs parents, c'est le début d'une longue suite de secrets dissimulés par les brumes du passé qu'Elma devra dévoiler. Jamais les contrées froides et changeantes de l'Islande n'avaient abrité de révélations aussi troublantes. Et clairement, c'est ce que j'avais adoré dans l'autre. Je me souviens qu'il avait mis un peu de temps à démarrer, mais que finalement, on avait des secrets de famille, des secrets de lycéens, enfin des secrets d'enfance qui ressurgissaient, qui faisaient éclater des secrets encore bien plus importants, avec des sujets là aussi assez délicats à aborder. Et donc, j'avais adoré cette histoire. Je m'étais vraiment beaucoup attachée au personnage d'Elma, donc très contente de la retrouver pour un nouvel opus. Et donc, c'est un brochet sorti chez La Martinière. Je pense qu'il va sortir assez prochainement en poche aux éditions Point, si jamais ça vous intéresse. Ça, c'est donc le deuxième cadeau de moi à moi. Et ensuite, je vous en ai parlé là aussi dans un vlog précédent de ma folie Lisa Jewell en ce moment. Donc pour l'instant, je le répète, je n'ai lu que Rentre avant la nuit, qui est donc le dernier roman de l'autrice paru chez Hauteville en brochet. Et Je serai ton ombre, que j'ai donc au format poche. Et j'ai adoré les deux, surtout Rentre avant la nuit, pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Et donc forcément, j'ai mis tous les autres romans de cette autrice dans ma wishlist. J'ai acheté On se reverra la semaine dernière, il est dans mon vlog précédent. Et là, j'ai craqué pour deux autres de ces romans. Ils sont chez nous, que l'on m'a beaucoup vendu, notamment Violette du Conte des Livres par Milliers, ma copine Violette qui m'a parlé de celui-ci, je crois. Il est là aussi très bien noté, notamment sur Livre Addict. Donc, c'est du thriller domestique, trois cadavres et un bébé abandonné, c'est la macabre découverte que fait la police dans une demeure de Chelsea. Faute de preuves, on privilégie la piste d'un suicide collectif et l'affaire est classée. Pourtant, avant l'arrivée des autres, la famille Lambe coulait des jours heureux, mais il est des invités qui ont tendance à s'éterniser et certains ne repartent jamais. Le jour de ses 25 ans, Libby hérite de la maison où elle a été retrouvée bébé. Bien décidée à percer le mystère de ses origines, la jeune femme mène l'enquête au 16 Chain Walk, mais est-elle prête à découvrir l'effroyable secret qu'on lui cache depuis sa naissance? Elle ignore encore que quelqu'un, quelque part, donnerait cher pour la retrouver. Et clairement, il me fait trop envie. Et ensuite, on a Tout est secret. Là aussi, un autre thriller. J'aime vraiment beaucoup ces couves. Et j'aime d'autant plus le fait que les dos soient blancs. Je trouve que dans la bibliothèque, ça fait quelque chose de très joli. Et donc là, nous sommes à Melville Heights. Il ne se passe jamais rien. Aussi, quand on retrouve dans ce quartier huppé de Bristol un cadavre lardé de coups de couteau, les résidents sont atterrés. Qui a pu commettre un crime pareil? Dans le voisinage, tout le monde se connaît, on est entre gens bien. D'ailleurs, on ne fait pas que se côtoyer entre voisins, on s'épie. Joséphine développe une véritable obsession pour Tom, le séduisant directeur du collège qui vit à deux pas de chez elle. Mais elle n'est pas la seule à guetter ses moindres faits et gestes. Quel sombre secret cache donc cet homme trop beau pour être honnête?
Et donc là aussi, on est un peu sur un, pas un remake, mais la quatrième de couve me fait penser à la femme à la fenêtre qui passe son temps finalement chez elle à épier ce que font les autres et notamment ses voisins d'en face. Et voilà, le sujet me tente aussi. J'ai vu qu'il était bien noté, j'avais eu de bons retours. Donc clairement, je me suis laissée tenter par les deux et je crois que du coup, il ne me manque que comme toi. Je crois que c'est comme toi. C'est le seul, je crois que je n'ai pas. Voilà, donc clairement, il arrivera dans un prochain vlog parce que je pense que je me laisserai tenter. Donc de mon côté, il est 18h. Comme je vous disais, on est jeudi. Ce soir, c'est soirée tranquille à la maison, donc chez mes parents. Je vais reprendre ma petite lecture en cours, éventuellement me faire une petite tisane. Et voilà, je vous reprendrai plus tard, soit dimanche, soit lundi, soit mardi, je ne sais pas, dès que je pourrai. Et puis c'est tout pour moi. Dimanche, c'est très fatigué que l'on rentre à Paris. Vous avez Cuscus qui est derrière. Et voilà, donc bien évidemment pas de vlog aujourd'hui. Ça attendra demain ou mardi. Là on fait une petite pause. Et voilà. Lundi et je me prête à aller retrouver Violette pour une petite virée en librairie. Donc voilà, je vous montrerai ça en rentrant. Et je vous retrouve pour clôturer cette semaine de vlog, une semaine qui a encore été très très courte parce que comme j'ai pu vous le dire, donc j'étais en famille avec mes proches, etc. On a fêté Noël, on a fêté donc le nouvel an et forcément pas beaucoup de matière à vous filmer, pas spécialement envie de filmer non plus puisque j'étais entourée de mes proches. Donc voilà, c'est un vlog court, je vais reprendre dès le vlog prochain un fonctionnement un peu plus normal parce que je serai de retour à la maison, parce que je vais reprendre le travail, etc. etc. Donc on est lundi 2 janvier, moi je reprends le travail le mercredi 4, ce qui veut dire que demain je serai également à la maison, ça va être l'occasion de lire aussi.
Aujourd'hui, donc, j'ai été faire un tour en librairie. J'ai acheté un livre que je ne vous montre pas parce que je vous en ai déjà parlé dans un vlog il y a quelques temps, il y a un an à peu près. En fait, c'est un roman que j'avais lu à l'époque en épreuve non corrigée, un roman de chez Faubourg Marigny, et je n'ai jamais reçu le livre définitif. Donc j'étais un peu dégoûtée. Je m'étais dit que je le trouverais, enfin si je le trouvais d'occasion, je l'achèterais en roman définitif. Et donc j'avais mis mon épreuve non corrigée en boîte à livres lors de mon déménagement à Paris, puisque l'épreuve non corrigée n'étant pas très jolie en termes de dos, enfin c'est une épreuve non corrigée, donc le livre n'était pas fini, j'avais pas très envie de le garder dans ma bibliothèque. Et donc là, je l'ai trouvé. Il s'agit donc de La Petite Boutique au Poison. Je vous montre pas parce que tout simplement, je viens de le ranger, je suis rentrée, etc. Et donc j'ai la flemme de me relever pour aller vous le chercher. C'est un roman que je vous invite. Que je vous invite à lire. Moi, j'avais adoré cette histoire. Ça se passe à Londres. On va suivre deux femmes qui sont donc, enfin, une femme qui est apothicaire et une jeune fille qui va décider d'apprendre avec elle. Et il y a une règle à respecter, c'est que le poison, enfin, en tout cas, les poisons délivrés par cette femme apothicaire ne doivent jamais être utilisés pour tuer une autre femme ou pour nuire à une autre femme. Et je vous invite à lire la quatrième de couve si ça vous intéresse, à taper également, je crois, mon profil, enfin mon nom, pardon, du Café des Livres et La Petite Boutique au Poison, et très certainement que vous retrouverez le vlog associé. Si j'y pense, je vous le mettrai dans la barre d'infos si je le retrouve. Et auquel cas, il y a mon avis de toute façon sur mon fil Instagram. Vous retrouverez mon avis sur cette lecture puisque j'avais quand même fait une chronique, même si c'était une épreuve non corrigée. J'avais beaucoup, beaucoup aimé cette histoire et donc voilà, je l'ai trouvé chez Gibert. C'est mon seul achat. Je l'ai payé 7 euros, je crois, au lieu des 20 et quelques, puisque donc il est cambroché, si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, hyper contente. À la fois, c'était pas un achat spécialement prévu, mais c'était l'occasion. Et donc voilà. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de colis pendant mon absence, pendant 2 semaines. La boîte aux lettres était complètement pleine quand je suis rentrée hier. Je vous les montrerai dans le vlog prochain. Mais en attendant, je vous montre la suite et fin de mes cadeaux de Noël, puisque donc le 31 décembre, j'ai vu ma meilleure amie qui m'a offert mes cadeaux de Noël. On s'est fait nos cadeaux un poil en retard, forcément, après Noël. Et donc, il y a 3 livres dans ces cadeaux. Qui sont bien sûr que des livres que j'avais demandé, donc je suis trop contente. Le premier, c'est Carnet Noir. Carnet Noir, c'est la suite de Monsieur Mercedes de Stephen King que j'ai dans ma palle, que je n'ai pas encore lu. Je ne vous lirai pas la quatrième de couve parce que j'ai pas du tout envie d'être spoilée ou quoi que ce soit. Je sais juste que c'est une trilogie, si je vous dis pas de bêtises. Il y a donc Monsieur Mercedes, le premier tome, Carnet Noir, le second, et Fin de Ronde, je crois, le troisième. Donc voilà, toujours dans cette collection livres de poche. Et je vous en parlerai bien sûr quand je lirai Monsieur Mercedes. Ensuite, on a un autre roman d'un auteur que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'ai pas encore découvert, qui est Donato Carisi, c'est La Maison des Voix. C'est donc un roman a priori indépendant du chuchoteur que j'ai dans ma palle. Je crois qu'il y a plusieurs sagas, si je ne vous dis pas de bêtises, et qui plus est qu'il y a des romans one shot. Celui-ci fait partie, encore une fois si je vous dis pas de bêtises, de la saga Pietro Gerber. Et donc c'est le premier. Il s'appelle La Maison des Voix. Je vous lis la quatrième de couve. Florence de nos jours, Pietro Gerber, on va dire, Gerber, est un psychologue pour enfants spécialiste de l'hypnose. Il arrive ainsi à extraire la vérité de jeunes parents tourmentés. Un jour, une consoeur australienne lui demande de poursuivre la thérapie de sa patiente qui vient d'arriver en Italie. Seul hic, c'est une adulte. Elle s'appelle Anna Hall et elle est persuadée d'avoir tué son frère pendant son enfance. Intrigué, Gerber accepte. C'est alors qu'une spirale infernale va s'enclencher. Chaque séance d'hypnose révèle encore plus le terrible passé d'Anna, mais aussi qu'elle en sait beaucoup trop sur la vie de Gerber. Et si Anna Hall était venue le délivrer de ses propres démons. Et donc, il me fait très envie parce que je l'ai vu passer sur le compte d'Estelle notamment, mais pas mal d'autres personnes aussi. Et donc, voilà, il me tente. Cette couve, je l'aime beaucoup, façon boule de Noël un peu dark. Donc, voilà, là aussi, je vous en parlerai bien sûr quand je le lirai. Et enfin, un dernier roman venu quasiment clôturer ma collection. Il s'agit du tome 6.
Et du dernier tome sorti de la saga Anne. Donc c'est Anne Dingleside de Lucy Maud Montgomery aux éditions Toussaint L'Ouverture. J'ai donc dans ma collection, j'ai tous les tomes du 1 au 6 sauf le 4, qui est donc Anne de Windy Willows, que j'avais mis dans ma wishlist à Noël, mais que je n'ai pas eu, donc clairement que je vais acheter incessamment sous peu. Et j'ai lu les deux premiers, je vais lire le 3 au courant du mois de janvier. Donc là aussi, de toute façon, je ne peux pas vous lire la quatrième de couve car il n'y en a pas. J'enlève juste le petit blister. Hop, pour vous montrer la beauté de ce livre. Vraiment, il est magnifique. Franchement, il est à la hauteur de tous les autres. Il est vraiment très, 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 très beau. Donc, franchement, il est incroyable. Vraiment, les hardbacks de chez Monsieur Toussaint Louverture, ils sont fous. Donc, trop contente et trop, trop gâtée. Alors, si en fait, je vous dis une bêtise, il y a bien la quatrième de coup ici, mais je n'ai pas du tout envie de la lire, je n'ai pas du tout envie d'être spoilée. J'ai lu que les deux premiers tomes. Celui-ci, c'est le 6, c'est relativement avancé. Mais déjà, j'ai trop hâte de me plonger dans la lecture du 3 et donc de continuer cette saga cette année. Maintenant que je n'ai plus Blackwater, j'aurai au moins une saga encore de Monsieur Toussaint Louverture. Voilà, du coup pour moi c'est tout aujourd'hui. Si je peux vous faire un petit update lecture, puisque donc je suis toujours dans Le Crime de l'Orient Express, j'arrive plus à parler, d'Agatha Christie. Donc vous savez, c'est l'édition Hachette à laquelle j'ai souscrit à toute la collection. Complètement folle, comme si j'en avais pas assez. Donc j'en suis page 170 sur 310. Clairement, j'en suis à la moitié, mais ça se lit vraiment très vite, ça se lit tout seul. Je pense que, enfin en tout cas, je vais essayer de le terminer ce soir ou demain. Il est 19h30, je vais aller faire à manger, je vais lire un peu, mais globalement ça va être plutôt calme ce soir, donc j'aimerais trop avancer. Ça se lit vraiment trop trop bien. En fait, on est bon, c'est pas une nouveauté hein. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu ou en tout cas connaissent de nom, mais on suit en fait donc Hercule Poirot qui est à bord de l'Orient Express. Un meurtre a eu lieu et il va interroger un à un tous les passagers du train pour essayer un petit peu de reconstituer le puzzle de ce qui s'est passé et faire la lumière sur cet assassinat. Mais j'aime beaucoup trop l'ambiance, j'aime beaucoup trop comment les personnages sont décrits, etc. Enfin vraiment, pour l'instant, c'est un de mes Agatha préférés. Je comprends en tout cas tout le succès qu'il a eu. Et puis c'est un vrai régal de le lire en collection hardback comme ça. Le livre vraiment est hyper agréable à lire. Donc voilà, du coup je m'arrête là. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je me rends compte à la fin de cette séquence que mon téléphone n'est pas droit du tout. Et bref, j'espère que vous avez donc trouvé de nouvelles suggestions de lecture. De mon côté, je vais repartir lire, repartir ranger tout mon bazar. Et je vous souhaite de belles découvertes, de belles lectures, et je vous dis à la prochaine pour un vlog un peu plus long.